إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذه الدورة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة بإتمام هذا الكتاب المقرر في هذه الدورة. على ما ذكر الشيخ زهير حفظه الله تعالى من أن هذه الدورة هي دورة مكثفة في الفقه، يكون فيها دروس 6 في كل يوم لمدة 4 أيام. الكتاب المقرر هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العالم المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى. تقدم معنا أننا نختار الكتب التي نصح بها العلماء، فسبب الدراسة لهذا الكتاب نصيحة العلماء أولا. الثاني، على ما قرر العلماء من أن أول ما يبدأ التوحيد، أول ما يبدأ به هو التوحيد، وبدأنا بدراسة ولله الحمد الأصول 3 ثم القواعد 4 ثم الدروس المهمة ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الوسطية. الآن نريد أن ننتقل إلى الفقه. بعض العلماء قبل أن يدرس الطالب الفقه pour ce séminaire. Parce qu'on veut avoir en fait une introduction à la jurisprudence. Car l'étudiant doit se préparer pour étudier la jurisprudence. Donc on doit donner à l'étudiant quelque chose de général, de concis. Et après cela, il va se développer et s'élargir dans la jurisprudence. Donc au départ, il commence avec les questions assez courtes et après il passe aux questions assez longues. Donc on a vu précédemment les trois fondements et les quatre règles qui sont des livres assez conseillés. Après cela, on s'est élargi, on a développé plus avec Kitab al-Tawhid. Donc on veut, à travers ce séminaire-là, que l'étudiant il découvre les chapitres de la jurisprudence, les différentes questions, et qu'il ait un aperçu des paroles des savants dans tous les chapitres de la jurisprudence. Et après cela, Inch'Allah Ta'ala, on sera capable de pouvoir lire par exemple l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen au livre Zad Al-Mustaqni' dans le fiqh de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc maintenant nous allons étudier ce livre-là, Minhaj Al-Salikin. Et après, comme d'habitude, Inch'Allah Ta'ala, vous réviserez l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen de Zad Al-Mustaqni'. Donc bien sûr, le livre, nous allons le résumer, nous allons expliquer les règles et les déterminations. Et aussi, on aura l'occasion de citer différentes questions, de passer par différents cas particuliers. Avant de commencer d'étudier ce livre-là, Inch'Allah Ta'ala, notre habitude est de faire un aperçu global du livre, afin de connaître le contenu de ce livre. Donc la jurisprudence, qu'est-ce que la jurisprudence? D'un point de vue linguistique, ça veut dire la compréhension. Le mot fiqh veut dire la compréhension. Dans le verset, Allah dit Ta'ala, ouvre les nœuds de ma langue afin qu'ils comprennent ma parole. Yafqahu, c'est-à-dire ils comprennent. Et dans l'autre verset, walakin la tafqahu tasbihahum, c'est-à-dire vous ne comprenez pas leur glorification. D'un point de vue linguistique, le mot fiqh signifie la compréhension. Dans la terminologie des musulmans, des savants,
notamment des savants, du fait, comment est-ce qu'ils définissent ce mot-là? Ça, c'est l'habitude chez les savants. Donc, c'est de définir d'abord le mot d'un point de vue linguistique et ensuite dans la terminologie des, champs, des gens de science, notamment dans ce domaine-là en particulier. Donc, chez les jurisconsultes, le mot fiqh se définit comme étant la connaissance des jugements d'ordre légal en rapport avec les actions, avec leurs preuves précise et spécifique. Donc, la connaissance des jugements d'ordre légal en rapport avec les actions, avec leurs preuves spécifiques. Donc la cheikh demande aux gens présents de répéter cette définition. Donc on a dit que c'était ma'arifat, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire les règles d'ordre légal, les jugements d'ordre légal en rapport avec les actions, avec leurs preuves spécifiques. Quand on dit leurs preuves, on fait référence aux preuves du Coran et de la Sunna. Donc il faut bien le répéter afin de le comprendre et de le retenir. Quand on dit la connaissance, comment est-ce que cela se produit-il? Comment est-ce que tu connais les questions d'ordre juridique? Tu peux connaître la science, qui est une certitude sans aucun doute. Comme le fait qu'Allah soit notre Seigneur, ça c'est une science, c'est une certitude 100%, il n'y a aucun doute dans ça. Et ou bien il y a une parole prépondérante, une parole qui a le dessus lors d'une divergence. Là, si on devait faire une détermination sur une échelle de 100, on dirait que ce serait 95% par exemple. Donc soit on a une certitude, c'est-à-dire 100%, ça c'est connu ça, sur une échelle de 100%, tout le monde connaît cela. Donc si la connaissance que l'on a, elle est à 100% sûre, sans aucun doute, alors on appellera ça du yaqin, de la certitude. Est-ce que tu as un peu de doute qu'Allah Ta'ala, le créateur, le seul régisseur? Non, ça, c'est sûr à 100%. C'est la science, c'est la certitude, ça. Et le deuxième point, ce qu'on appelle al-qawl al-rajih, la parole prépondérante. Et cette parole-là, elle s'étend de 51% à 99%. C'est ce qu'on appelle la parole prépondérante, c'est-à-dire la parole qui a le dessus. Exemple, le fait de manger de la viande de chameau fait part des ablutions. La vie le plus juste, Allah Ta'ala, c'est mieux, comme je disais, Cheikh Al-Athaïm Al-Rahmallah, c'est que ça fait perdre les ablutions. Maintenant, sur une échelle de 100, combien on va lui déterminer? Ce sera entre 51% et 99% en fonction du degré de la conviction. Et lorsqu'on a une parole qui se va de 1% à 49%, c'est une parole faible. Et lorsqu'on a, on n'arrive pas à se prononcer sur une parole, c'est-à-dire qu'on a 50, on a le choix entre deux paroles et qu'on a 50-50, c'est un doute. Et quand on n'a aucune science au sujet de la question, alors c'est du 0%, on appelle ça de l'ignorance basique. C'est 0%. Ce qu'on appelle de l'ignorance de base. Celui qui n'a rien, 0%. Si quelqu'un te dit, qui t'a dit à la base qu'il faut obligatoirement les ablutions pour la prière? Lui, c'est pas 0% qui te dit, mais c'est moins 0, c'est en dessous de 0, c'est inférieur à 0%. C'est ce qu'on appelle de l'ignorance superposée. C'est-à-dire qu'il ignore qu'il ignore. Il croit savoir, mais en fait, il ne sait pas. Donc on recommence. On a le rajih, la prépondérance de 51% à 99%. La faiblesse de 1% à 49%. Le doute, c'est du 50-50. Et l'ignorance basique, c'est 0%. Et l'ignorance superposée, c'est inférieur à 0%. Celui qui recherche la science sans revenir au savant, sans étudier auprès d'eux, et là, il fait référence ici
à l'obligation de revenir au savant. Comme quoi, on ne peut pas se débrouiller tout seul. On ne peut pas retourner à Google ou à Internet pour apprendre la science. Il faut obligatoirement revenir au savant pour apprendre la science. Donc celui qui recherche la science sans revenir au savant, il s'égare et du droit chemin. Donc celui qui croit savoir alors qu'il ne le sait pas, il a de la science, de l'ignorance superbe. Il y a un homme qui s'appelait Hakim et il avait un âne. Et cet âne-là, il a dit, si le temps était juste envers moi, je n'aurais pas été à la monture. Bien sûr, cette parole-là, elle est mauvaise. C'est de l'association majeure parce qu'il accorde la sélection des choses dans la création au temps, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et l'âne, il disait, si le temps il était juste envers moi, il ne m'aurait pas désigné comme étant la monture, mais plutôt comme étant le cavalier. Mais en gros, c'est une image pour faire comprendre que une ignorance sur une ignorance, on appelle ça une ignorance superposée. Donc, ça rentre sous la ma'arifa. La ma'arifa, la connaissance, c'est lorsque c'est soit une certitude à 100%, ou soit une parole prépondérante de 51% à 99%. Après, on a dit la connaissance des jugements. Et on a des jugements d'ordre en rapport avec les actions des gens responsables de leurs actes, et des jugements en rapport envers les actions elles-mêmes. Maintenant, et les jugements d'ordre légal, on les trouve dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit la connaissance des jugements relatifs aux actions donc ce qui exclut les croyances. Donc la jurisprudence, elle se préoccupe des actions, des adorations. Quant à la croyance, elle est étudiée dans un autre domaine qui est la aqidah, la croyance. Bien sûr, ce qui ne veut pas dire que la aqidah n'est pas du fiqh, c'est de la science. Abu Hanifa, rahimallah, il a écrit un livre dans la croyance qu'il a appelé la jurisprudence la plus grande supérieure. Et ici, là, on parle des actions, des adorations. Dans la définition, la connaissance des jugements relatifs aux actions avec leurs preuves spécifiques. Ça veut dire que chaque adoration qu'on va considérer, à laquelle on va donner un jugement, il faut qu'on y trouve une preuve du Coran et de la Sunna et du consensus et de l'analogie qui lui est propre. Et ce sont les savants de la jurisprudence qui s'occupent de cela. Donc là, on va revoir la définition. Premièrement, d'un point de vue linguistique, le mot fiqh signifie la compréhension. Deuxièmement, et aussi dans la terminologie des gens de la science, le fiqh signifie la connaissance. Ce qui implique soit la certitude 100%, soit la prépondérance, c'est-à-dire entre 51% et 99%. Donc, la certitude, comme le fait que. Peut-être que la totalité soit supérieure à la partie. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Maintenant, on n'appellera pas ça une jurisprudence du fiqh, parce que ça n'a pas de rapport avec un jugement concernant une action. Donc la connaissance des jugements relatifs aux actions avec leurs preuves spécifiques. Donc nous avons des jugements en rapport avec les actions qui vont définir les actions par rapport à l'acteur et des actions
qui vont définir les actions en elles-mêmes. Donc les actions en rapport avec les jugements par rapport aux actions des gens responsables. Donc ce qu'on appelle le mukallaf. Qui est le responsable? Comment est-ce que l'on définit le responsable? Le mukallaf, celui qui est chargé de faire l'action. Donc c'est celui qui est pubère, qui est doué de raison. Le pubère, doué de raison. Est-ce qu'on doit, on a le droit de rajouter comme condition l'islam? Ça signifierait que le mécréant n'est pas responsable de ses actes. C'est une erreur. Le responsable, c'est celui qui est pubère et qui est doué de raison. Pour revenir au jugement en rapport avec les actions des actes des êtres responsables, sont au nombre de 5, l'obligatoire, le recommandé, l'autorisé, le détestable et l'interdit. Donc maintenant, on va passer à une vue générale du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il contient, son sommaire. Si tu veux faire une classification de la jurisprudence, d'un point de vue général, bien sûr, hein, parce que le but ici, c'est de faciliter la compréhension de la jurisprudence aux gens. Donc on fait des catégories, comme ça c'est plus facile à comprendre. Donc définis la jurisprudence en deux grandes parties, les adorations et les relations. Les adorations entre toi et Allah Azza wa Jal et les relations entre toi et les gens. Ça c'est les deux grandes parties de la jurisprudence. Et rentrer dans les mu'amalat, c'est-à-dire dans les relations, d'autres chapitres, comme ce qui est en rapport avec la nourriture et la boisson, et comme on pourra le voir plus prochainement, inshallah ta'ala. Donc dans la aqida, on a vu tout ce qui tourne autour de l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ici, dans le fait, on va voir les adorations, qui sont la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, ainsi que le djihad, la lutte, dans le sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la jurisprudence en rapport avec les adorations. Donc, on veut que les gens ils retiennent ce que les savants ils citent dans ces domaines-là. Donc on a des adorations, et après cela on a des mu'amalat, des relations et des transactions auxquelles on rajoutera d'autres choses qu'on citera plus tard, inchallah. Donc maintenant dans chaque chapitre de ces chapitres-là, on va citer par exemple dans la prière des conditions et des piliers, des obligations et des traditions et des actes annulatoires. Quand on parlera du pèlerinage, des conditions, des piliers, des obligations, des interdictions en rapport avec la sacralité. Et aussi des actes annulatoires du pèlerinage. Et dans chaque chapitre, on va agir ainsi. On va citer le plus important dans chaque chapitre, afin que ce soit maîtrisé et appris. Donc maintenant, nous, on veut lire des livres que les savants ont écrits. Les savants, ils ont tout mis dans un ordre précis. Toi, tu n'as que suivre cet ordre-là. Donc ce livre-là, par exemple, maintenant, Minhaj Salikin, tu y trouves dedans plusieurs livres. Et quand on parle de livre ici, ça veut dire que tu trouves beaucoup de chapitres. Et c'était un grand chapitre. Et dans ce grand chapitre-là, tu trouves plusieurs sous-chapitres. Donc, sois attentif. Imagine ce livre-là, c'est un bâtiment entier. Et dans ce bâtiment-là, il y a plusieurs appartements. Dans chaque appartement, eh ben, c'est un chapitre du livre. Et là, on a par exemple 16 appartements. 16
chapitre. كل شقة فيها غرف. Et dans chaque الغرف هذه chapitre il y a des pièces. Et ces pièces là ce seront des sous-chapitres. إذا صعب عليك الباب si t'as du mal, ماذا يصنع العلماء؟ Si t'as du mal à ouvrir une porte, الباب, ماذا يصنع؟ Qu'est-ce que les savants ils font؟ يضعوا لك فصول يقسم الغرفة إلى si t'as du mal avec avec un sous-chapitre, eh bien ils te classifier encore le contenu de ce sous-chapitre là. Et tout cela a été fait par les savants afin de faciliter l'accès à la science aux étudiants. On peut bien comprendre la classification des ouvrages comparé à un bâtiment dans lequel se trouvent des appartements dans lesquels se trouvent des pièces. Et par quoi les savants du fiqh ils commencent toujours dans les livres de jurisprudence? Quel est le premier chapitre par lequel ils commencent? Par le chapitre de la purification, toujours. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui peut se poser la question, pourquoi toujours ils commencent par le livre de la jurisprudence, par le chapitre de la jurisprudence? Et pourquoi pas en commençant, on commencerait pas, pourquoi on commencerait pas directement par la prière? Avant de répondre à cela, أرادوا أن تطهر الباطن أولاً العقيدة قبل كل شيء. أي نعم. Ils ont voulu à travers cela, ce choix-là, une purification complète, totale. طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. Afin qu'on a une purification intérieure complète avant de se purifier à l'extérieur. Ça c'est la première chose. الطهارة مفتاح الصلاة. Ensuite, la purification, c'est la clé de la prière. Et la purification, elle précède la prière. Ça, c'est la cause pour laquelle ils ont commencé la prière, ces livres-là par la purification. Donc, quand on parle de purification, on commence par la purification de l'intérieur, par l'étude de la aqida de la croyance. Ensuite, on commence par, ensuite après cela, dans les adorations, on commence par la purification de l'extérieur, et avant de commencer la prière. Et c'est quoi le dernier chapitre des livres de jurisprudence? لكن المؤلف لم يختم بالعتق نعم يختم الفقهاء إما بالعتق les savants du fiqh concluent les livres de jurisprudence par l'affranchissement des esclaves ou bien par la reconnaissance dans un contrat par exemple. Ça les savants divergent au niveau du choix du dernier chapitre à étudier dans ces livres là. Allah يفتح عليك يختم بالعتق تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى. Donc si les savants choisissent comme dernier chapitre l'affranchissement des esclaves en optimisme, en espérant qu'Allah les affranchira et aussi de l'esclave de l'enfer après avoir fait ce travail là dans la science de l'islam. تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بشهادة الإخلاص. Et dans l'iqrar quand ils choisissent la reconnaissance dans le cas où ils choisissent la reconnaissance comme dernier chapitre, c'est en espérant qu'Allah Ta'ala leur permettra de reconnaître la ilaha illallah avant de mourir et donc de mourir dessus. Donc soit les savants ils concluent leur livre avec l'affranchissement ou soit avec l'iqrar, la reconnaissance comme ce qu'a fait Cheikh Tali dans Manhaj Salikin. Donc soit ils visent à travers cela l'espoir à ce qu'Allah les fasse mourir sur la reconnaissance de la ilaha illallah ou bien dans le cas où ils choisissent l'affranchissement ils nourrissent à travers cela l'espoir à ce qu'Allah les affranchisse de l'enfer. Donc là le frère, il y a un frère qui est en train de lire l'introduction du livre. بدا بكتاب الطهارة وتقدم معنا اراد ان تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر واراد ان يرتب لك المسائل en relation avec la purification. Après qu'on a purifié l'intérieur en étudiant la croyance, on va purifier l'extérieur
afin de savoir comment se purifier avant de faire la prière. Donc on a dit les savants, ils classifient, ils citent l'ordre à suivre dans l'étude de la science, et on n'a qu'à suivre cela. Donc d'abord croyance, ensuite prière, ensuite aumône, ensuite jeûne, ensuite pèlerinage. Après, dans les transactions, les relations, là, ce qu'il y a d'ordre commercial, l'achat, la vente, l'emprunt, la location, ainsi de suite. Après, on a ce qui est d'ordre social, notamment en rapport avec le mariage, avec le divorce, avec les choses de ce genre. On a aussi d'ordre au niveau de l'héritage, et ainsi de suite. Il y a aussi dans les transactions, dans les relations d'ordre social, il y a aussi les crimes, hein, tout ce qui concerne le mal qui est fait aux autres. Est-ce que ça va impliquer comme jugement, comme les sentences ou bien comme les peines, et ainsi de suite. Donc, l'achat, la vente, le mariage, le divorce, les crimes, les peines, les périodes de viduité, la nourriture, la chasse, la boisson, et ainsi de suite. Et à la fin, soit l'affranchissement, soit la reconnaissance, en fonction du besoin de la personne. C'est ce qu'on trouve dans les livres depuis toujours. Après la purification, on a la prière. Non, la prière, pardon. Donc chaque chapitre relatif à l'adoration contiendra une partie consacrée à l'obligation et à une autre à la recommandation, ce qui est sur dans cela, dans la prière, dans l'aumône, dans toutes les adorations de l'islam. Ensuite, on a le chapitre relatif aux funérailles, et en particulier la prière des funérailles. Et pourquoi est-ce qu'on a fait de cette prière-là un chapitre à part, alors que c'est une prière, il aurait pu rentrer dans la prière, dans le chapitre de la prière. Donc pourquoi est-ce que les savants de la jurisprudence ont consacré un chapitre spécifique aux funérailles? Parce qu'en fait, ici, tout ce qui tourne autour des funérailles, donc tout ce qui tourne autour du malade, du testament, du lavage du mort, du linceul, de l'enterrement, et ainsi de suite. Ensuite, on a le chapitre relatif à l'aumône, après le chapitre relatif au jeûne, après le pèlerinage. Donc on voit que c'est les piliers de l'islam. Après, il nous reste le chapitre relatif au djihad. Et après, on a fini avec l'adoration. Et après, on passe aux transactions. Cheikh Saadi, il a fait un résumé dans ce livre-là. Il n'a pas tout cité. Donc, il passe directement d'une partie à une autre. Il passe après les adorations aux transactions, qu'elles soient sociales ou commerciales. Et le premier chapitre dans cette partie-là, c'est El-Buyou, les ventes. Et ça, ça inclut l'achat et la vente. Après cela, on a l'héritage, c'est-à-dire la part réservée à chaque héritier. Après cela, on a le mariage. Après avoir acheté et vendu, il a eu de l'argent. Et si jamais il meurt, cet argent, ses héritiers vont en hériter. Après qu'il ait eu de l'argent aussi, il veut se marier. Après, dans ce chapitre-là, après cela, le mariage, il y a ce qui est en rapport avec la dot. Ensuite, on a le chapitre relatif, après cela, on a le chapitre relatif au divorce. Et quand est-ce qu'il peut divorcer, ou bien ne pas divorcer, et comment divorcer, tout ce qui a un rapport avec le divorce. Après le divorce, il y a le chapitre relatif à la viduité, c'est-à-dire c'est la période que doit patienter la divorcée ou la veuve avant de pouvoir se remarier. Après cela, on a un chapitre relatif aux nourritures. Donc après qu'il a de l'argent en vendant ou en achetant, il a besoin de manger et de savoir qu'est-ce qu'il doit manger. Donc après tout cela, après ce chapitre-là, on a un chapitre des crimes. Donc il y a Shaitan qui vient et qui te pousse à commettre des crimes, à dépasser les limites. Et il faut voir comment réagir dans ces crimes. Quand il a fait des crimes, eh bien, il faut qu'il sache qu'il y a des peines relatives à certains crimes qui sont commis.
Donc il y a le chapitre qui vient par la suite, c'est le chapitre des peines. Après cela, chapitre relatif avec le jugement. Dans ce livre-là, l'auteur l'a cité. Là, c'était par la suite du dernier chapitre qui est le chapitre de la reconnaissance. Et là, l'auteur, le cheikh, il demande aux gens présents de lui répéter les éléments principaux qu'on a cités depuis le début du cours. Pardon. Donc, probablement, pourquoi est-ce qu'on a dit pourquoi on étudie la jurisprudence ? Parce que c'est le conseil des savants, et aussi parce que l'adoration n'est acceptée qu'avec deux conditions, avec la pureté de l'intention et avec la conformité à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'on apprend dans la jurisprudence. On a vu que le fiqh signifie la compréhension en arabe, et chez les savants de la jurisprudence, ça voulait dire la connaissance des jugements relatifs aux actions des êtres responsables avec leurs preuves spécifiques, et que la connaissance impliquait la certitude, c'est-à-dire ce qui est à 100%, et ce qui est prépondérant, c'est-à-dire ce qui est supérieur à 50%, donc 51%, et s'étend jusqu'à 99%. On avait vu que ce qui était 50%, ça veut dire qu'on a pas 50-50, on ne sait pas c'est quoi l'avis le plus juste. Alors on appelle ça le doute. Et quand c'est inférieur à 50%, c'est-à-dire de 1% à 49%, c'est marjouh, c'est une parole faible. Et enfin, après, on a la jurisprudence, c'est 0%. Et on a la jurisprudence basique et la jurisprudence superposée, elle est inférieure à 0%. Donc on a vu que ces actions, les actions concernées dans la jurisprudence, ce sont celles, ça exclut la croyance, parce que cela est traité dans les livres en relation avec le dogme. Donc on a vu que dans les actions, on a les adorations et les transactions, donc ce qui est en rapport avec les piliers de l'islam, auxquels on rajoute le jihad, et après le reste, c'est les transactions, qu'elles soient d'ordre commercial ou même d'ordre social. Donc on a vu la cause pour laquelle les savants commencent le livre de jurisprudence par la purification. Donc les savants commencent par la purification intérieure à travers l'étude de la croyance, et dans la jurisprudence ils commencent par la purification afin de purifier l'extérieur. Donc il y a une purification c'est un sens, c'est-à-dire qu'elle est pas, elle est abstraite, elle concerne la croyance, et une purification concrète, réelle, qui concerne le fait de se purifier avant de faire la prière, donc de purifier son corps. Donc l'impureté, à l'inverse de cela, est aussi soit abstraite, soit concrète. Donc quand elle est abstraite, c'est l'association et la mécréance. Et à partir de là, même si on se lave 1000 fois, on ne sera jamais pur concrètement parlant. Donc si quelqu'un qui est mécréant fait la prière et il se purifie avant, c'est-à-dire la purification extérieure, ça ne lui sera d'aucune utilité. Donc il y a une purification abstraite et une purification concrète. L'abstraite, c'est le tawhid. Et son inverse, c'est l'association et la mécréance. Quant à la purification concrète, c'est le fait que tu purifies ton corps et l'endroit où tu pries et les vêtements que tu portes. C'est ça la purification concrète. Le corps, l'endroit où tu pries et les vêtements que tu portes. Ça, c'est la purification concrète. Et celle-ci, soit elle sera due à quelque chose qui a provoqué la perte des ablutions, ou soit à la présence d'une impureté sur les trois choses qu'on a citées précédemment. Donc le hadath, qu'on appelle entre guillemets l'événement en français, c'est-à-dire c'est ce qui va se produire et qui va provoquer la perte des ablutions. Et il est de deux types, majeur et mineur. Et la purification concrète, elle se fait avec quoi? Avec de l'eau, c'est la base. Et avec la terre, et ça c'est secondaire, quand on a une cause qui nous permet de ne pas avoir recours à l'eau.
Et l'eau se divise en deux catégories, selon la vie le plus juste, une eau purificatrice et une eau impure. C'est ça, c'est le résumé du chapitre de la purification. Et là, Cheikh demande aux gens présents de répéter ce qu'on a vu. La purification se divise en deux parties. Purification d'ordre, c'est-à-dire abstrait, et d'ordre concret. Et la plus importante des deux, c'est celle qui est abstraite, c'est-à-dire en rapport avec la croyance. Que tu purifies ton cœur de l'association majeure et mineure. Car les associateurs sont certes une impureté, comme ceci dit dans le Coran. Quant à la purification d'ordre concret, se divise en deux catégories. L'acte, l'événement qui se produit, qui fait perdre les ablutions, et ça, c'est se divise en deux catégories, majeure et mineure. Et l'impureté, qui est elle, physique, et qui se trouvera sur le corps, l'endroit où le vêtement. Et l'eau se divise en deux catégories, une eau purificatrice et une eau impureté. Et les moyens de se purifier sont en deux catégories aussi, la base, l'origine, c'est l'eau, et l'ordre secondaire, c'est-à-dire si on n'a pas l'eau, on peut pas avoir l'eau, alors ce sera le tayammum, c'est-à-dire avec la terre. Il faut savoir, le frère, qu'il faut étudier la science petit à petit, et ne pas tout prendre d'un coup, hein, parce que celui qui prend la science d'un coup, il la perd d'un coup. Est-ce que tu crois qu'en un seul jour, je vais devenir un savant de la jurisprudence? Non, c'est impossible. Prends les choses petit à petit, étape par étape, et avance progressivement. في كتاب الطهارة نعم لا الآن يريد أن يبين سبب. Donc ici, l'auteur, rahimallah, il va expliquer pourquoi, et quelle est la cause pour laquelle on a commencé avec la purification dans le livre. Donc on a dit que l'auteur, il a voulu à travers cela faire comprendre l'importance de la purification abstraite et concrète. Et aussi parce que la purification fait partie des conditions de la prière. Et parmi les conditions de la prière, il y a l'islam et il y a la purification du corps à travers les ablutions et la purification du corps de l'endroit et des vêtements pour la prière aussi. Donc on a vu que la purification concerne soit les actes qui vont faire perdre les ablutions, ou soit une impureté physique présente sur le corps, l'endroit et le vêtement. Et l'auteur ici commence dans le chapitre de la purification, il commence par un sous-chapitre qui met en évidence les comportements et les bienséances à avoir lorsqu'on fait ses besoins. Parce que les besoins sont des actes qui vont perdre les ablutions, donc il faut savoir comment faire ces ablutions pour savoir ensuite comment se purifier par rapport à ça. Donc premièrement, avant de rentrer aux toilettes, aux endroits où on fait ses besoins, qu'est-ce qu'on fait? D'abord tu dis Bismillah. Oh Allah, je cherche refuge, protection auprès de toi contre toutes les impuretés. Que ce soit les impuretés des démons ou des autres ou autres. Ça c'est en rentrant. Et en sortant, tu dis Ghufranak, oh Allah, pardonne-moi. Je cherche ton pardon, je demande ton pardon. Quand tu rentres, tu commences avec quel pied? Tu rentres avec le pied gauche. Et quand tu sors, avec le pied droit. Ça c'est dans les toilettes où il y a des portes. Maintenant, si quelqu'un veut faire ses besoins dans un endroit où il n'y a pas de porte, comme dans le désert, dans une forêt, mais dans une forêt, dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trait et après il rentre avec le pied gauche? Non, il ne fait pas ça. Là, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas besoin de rentrer ni de sortir, on est déjà sur place. Ça, rentrer avec le pied gauche et sortir avec le pied droit, c'est quand il y a un endroit spécifique, il y a une porte et on rentre et on sort. Donc, on fait la vocation et on rentre par le pied gauche. Et on sort avec le pied droit. Après cela, l'obligation de se préserver, de se cacher des yeux des gens. Quand on fait ses besoins, il ne faut pas être visible. Il faut qu'il cache ses parties intimes. Si le toilette, il n'y a pas de problème, parce qu'il est enfermé. Maintenant, il est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il doit faire?
il doit absolument se cacher avec quelque chose afin que les gens ne puissent pas le voir. S'il ne trouve rien, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le désert, il n'y a rien pour se cacher. Comment il fait? Il s'éloigne afin que personne ne le voit. Quand est-ce qu'il enlève ses vêtements? Si il est à l'intérieur des toilettes, il n'y a pas de problème. S'il est à l'extérieur, il enlève ses vêtements lorsqu'il s'approche de la terre. Il ne se déshabille pas debout. C'est là que tu vois la civilisation, quand ils disent ici, la civilisation. Parmi les bienséances, pendant qu'on fait ses besoins, c'est de ne pas faire face à la Qibla, à la Mecque, ni lui tourner le dos. Et tu seras apaisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs dans la question. Mais la vie la plus juste, et Allah il sait mieux, c'est que c'est celui que ce Cheikh Al-Athamin, il a choisi, c'est-à-dire de ne ni faire face à la Qibla, à la Mecque, ni lui tourner le dos. Qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, fais cela, c'est plus sûr. Et en faisant cela, tu te déresponsabilises devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est plus apaisant au niveau de la divergence. Parmi les bienséances aussi, il ferme la porte aux obsessions et au toc, le waswas. Parce que le domaine dans lequel le waswas est le plus présent, c'est dans la purification. Il y en a quand ils urinent, ils attrapent leur verge et ils la secouent, et puis ils font beaucoup de choses qui n'ont pas été citées dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, dans la loi d'Allah ta'ala, on a tout est mis en place pour fermer la porte absolument au waswas, aux obsessions. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le cas où il est aux toilettes? Il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne craint pas d'éclaboussure. Mais s'il est à l'extérieur, est-ce qu'il va dans un endroit sec et dur? Parce que non, il ne fait pas ça. Parce que si jamais il fait ça, il y aura des éclaboussures et il pourra être touché par l'éclaboussure de l'urine, par exemple. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il fait alors? Il cherche un endroit humide. Ou plutôt un endroit doux, pas dur. Et si dans le cas où il ne trouve pas, il trouve que une terre ferme et dure. Dans ce cas-là, il se rapproche au maximum du sol pour éviter les éclaboussures. Et quand il veut uriner, où il va uriner? Si il est aux toilettes, pas de problème. Le cas, il est clair. Si il est à l'extérieur, comment il fait? Il urine. Il ne faut pas qu'il urine dans un endroit où il va gêner les gens. Il ne faut pas. Et c'est ça la civilisation. Non, c'est qu'il urine dans des endroits où il va gêner personne. Il ne faut pas qu'il urine dans des endroits où les gens vont être gênés, notamment là où ils se réunissent. Ou bien sous les arbres où il y a des fruits qui poussent. Ou bien il y a des endroits où quand il fait chaud, les gens s'y retrouvent pour trouver de l'ombre. Ou au contraire, parce qu'il y a du soleil. Donc il y a des raisons qui vont justifier la présence des gens dans ces endroits-là. Alors on ne va pas aller faire nos besoins dans ces endroits-là. Donc tout endroit dans lequel tu vas gêner les gens, tu n'as pas à y faire tes besoins. Même si ce sont des mécréants. Est-ce qu'il peut uriner debout? Cheikh Al-Athamin, rahmallah, il dit qu'il a le droit d'uriner debout avec deux conditions. S'il manque une des conditions, alors il n'a pas le droit d'uriner debout. Première condition, qu'il est sûr de ne pas être touché par des éclaboussures. C'est-à-dire qu'il est sûr de ne pas être touché par une impureté. Deuxième condition, qu'il soit sûr à ce que ses parties intimes ne soient pas découvertes et dévoilées aux yeux des gens. Si les deux conditions sont réunies, alors il a le droit d'uriner debout. Al-An, hasal, fi
À Arafat, il y a eu beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde de bousculade et les gens ils étaient dans les toilettes. Et il y avait trop de monde dans les toilettes alors que les gens avaient besoin d'y aller. Alors les savants ils se sont mis d'accord pour mettre des urines noires afin que les gens puissent uriner dans le cas où il y a trop de monde aux toilettes. Mais ils ont mis comme condition à ce qu'il y ait des protections qui leur permettent de ne pas être vus pendant qu'ils font leurs besoins. Et aujourd'hui, dans la civilisation moderne, notamment occidentale, les gens ne se nettoient pas après avoir fait leurs besoins. Donc ils urinent directement sur Rabbi et on trouve des traces d'urine dans leurs vêtements. Et nous, grâce à Allah Ta'ala, on nous a légiféré la propreté. C'est-à-dire on doit se nettoyer après avoir fait ses besoins. C'est ce qu'on appelle l'istinja. Le fait de se laver les parties intimes après avoir fait ses besoins, ou bien ça c'est dans le cas où on utilise de l'eau. Si on n'utilise pas de l'eau, des pierres ou bien des choses équivalentes comme les papiers toilettes aujourd'hui, on appelle ça de l'istijma. Donc les deux termes ici font référence à la purification après avoir fait les besoins, dans le cas où c'est avec de l'eau ou bien avec autre chose, des pierres et assimilées. Mais ici il faut savoir que l'istinja, ce n'est pas dans un ordre d'adoration, non, c'est dans un ordre de purification, de propreté après avoir fait ses besoins. Quand on fait l'istinja, lorsqu'on se nettoie, est-ce qu'on le fait avec sa main droite ou avec sa main gauche? Non, on le fait avec sa main gauche parce que la main droite c'est une noble avec laquelle on fait les choses nobles. حتى الخرائط حتى كيف نأتي ونصنع في Et à travers ça, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné, nous a même appris comment faire nos besoins. Et c'est ça la civilisation, la vraie, celle dont on doit être fier. Donc on n'utilise pas la main gauche, la droite, on utilise la main gauche. Est-ce qu'il a le droit d'utiliser les deux? C'est-à-dire d'abord l'eau, ou plutôt l'eau et les papiers toilettes par exemple. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah Ta'ala. Tout comme il a le droit de se servir que de l'eau ou de ne se servir que du papier toilette. Il a le droit. Même s'il a de l'eau, il a le droit de faire que du papier toilette. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si il est propre et qu'il n'a plus besoin de le faire? Donc lorsque le papier il revient sec, le papier toilette pendant qu'on s'essuie, et bien ça veut dire qu'on est propre et plus besoin de continuer. Et si jamais il y a des traces dans le papier toilette encore, alors ça veut dire qu'il faut continuer à se nettoyer. Et quand on fait l'istijmar, donc on ne se nettoie pas avec de l'eau mais avec du papier toilette ou bien des pierres et bois, et bien on doit faire au minimum trois fois. Et il faut qu'on finisse, dans le cas où on ne fait pas trois fois, sur un nombre impair, donc 3, 5, 7 et plus, mais pas un nombre pair. Dans le cas où on trouve une grande pierre avec plusieurs faces, alors on peut prendre une seule pierre pour se nettoyer, mais à condition qu'on utilise une face différente pour chaque essuyage. Donc après que la saleté est disparue, après trois essuyages, il n'a pas besoin d'en faire plus. Il ne faut pas qu'il exagère. Ça rentre dans la bienséance en relation avec comment on fait ses besoins. Il ne faut pas exagérer et aller trop loin, dépasser les limites dans les ablutions, ou bien dans la façon de se nettoyer après avoir fait ses besoins. On se contente du nécessaire. Si jamais quelqu'un il s'essuie deux fois avec le papier toilette et il se rend compte qu'il n'y a plus de traces de saleté, d'impureté, est-ce qu'il s'arrête là? Non, il ne s'arrête pas. Il doit s'arrêter sur un nombre impair, donc il va jusqu'à 3. S'il va jusqu'à 4 et il voit que c'est pur, et bien il continue quand même parce qu'il doit s'arrêter sur un nombre impair. Il rentre aussi dans la bienséance en rapport avec les besoins. Est-ce qu'on a le droit de se nettoyer avec du papier clair, classique, comme un journal, un magazine par exemple? Oui, à condition que ce ne soit pas une feuille dans laquelle il y a quelque chose de sacré ou quelque chose de respectable.
comme le Coran, ce qui est sacré, ou encore dans le cas où on a un journal en arabe, on va éviter quand c'est écrit en arabe, parce que des fois il y a des noms, et très souvent les noms, on trouve le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on va les éviter. Et ça, bien sûr, c'est quand c'est en arabe, quand c'est en français, c'est autre chose. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, de se nettoyer après avoir fait ses besoins avec du pain? Il faut savoir que le pain, c'est la nourriture des êtres humains. Et bien, dites-moi que la nourriture des djinns, hein, comme les os, on n'a pas le droit de se nettoyer avec. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire alors la nourriture des êtres humains, le pain et tout ce qui rentre là-dedans, on ne se nettoie pas avec. Après le chapitre de ce. Après le sous-chapitre en relation avec les bienséances de la façon dont on fait ses besoins, on passe au chapitre des récipients, c'est-à-dire les récipients qui vont contenir l'eau avec laquelle on va se purifier. Et pourquoi ? Et ici, l'auteur, rahimahullah, il a cité ce chapitre-là, après, dans le chapitre de la purification. Il ne faut pas croire que ça, l'ania, les récipients ici, ça fait référence à la nourriture. Ce n'est pas ça qui est voulu par l'auteur, rahimahullah. Donc, que personne n'aille dire que c'est une erreur de l'auteur d'avoir cité les récipients dans le chapitre de la purification. Parce qu'on se sert des récipients pour manger. Non, c'est pas ça qui est voulu par l'auteur, rahimahullah. Parce que il a cité ce sous-chapitre-là ici, parce que l'eau est un corps liquide et qui coule, qui doit être contenu dans un récipient. Donc il y a des récipients dans lesquels dont on peut se servir et dont on ne peut pas se servir. Alors on doit savoir lesquels on peut se servir. Donc on a des récipients par exemple en or. Et en argent, est-ce qu'on a le droit de s'en servir? Non, on n'a pas le droit de s'en servir. Il faut savoir que la base dans l'utilisation des récipients, c'est quoi? Donc, sachez que dans chaque chapitre, on va voir des avis généraux sur certaines des questions générales et des avis particuliers sur des questions particulières. Donc il faut savoir que la base dans l'utilisation des récipients, c'est-à-dire en rapport avec leur matière, que ce soit du plastique, de la céramique ou autre, la base c'est que c'est permis et autorisé et pur. Et des exceptions comme l'argent et l'or, ce qui est fait d'argent et d'or. On a aussi en deuxième position les récipients des mécréants. Par exemple, quelqu'un il prend une casserole d'un homme mécréant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce récipient-là, est-ce qu'il est pur ou impur? Il est possible que dans ce récipient-là, il y ait eu quelque chose d'impur, comme du porc. Et le porc, c'est impur. Il est possible aussi qu'il y ait dans cela de l'alcool. Si on se base sur l'avis général des savants comme quoi l'alcool est impur. Eh bien, la base dans le jugement relatif au récipient des mécréants se divise en trois parties. Premièrement, on sait qu'elle est pure, alors elle est pure. On est sûr à 100% qu'il n'y a aucune impureté dedans, alors il est pur. Si on est sûr à 100% qu'il est impur, alors il est impur. Si on a un doute, comment on fait? Eh bien, on revient à la base, et comme quoi, c'est pur, donc on peut s'en servir. Ça, c'est pour les récipients des mécréants. Parlons maintenant de... De leurs vêtements, on appliquera dessus les mêmes règles. Si on est sûr que c'est pur, on les prend. Si on est sûr que c'est impur, on ne les prend pas. Si on a un doute, on reste sur la base. Wallahu a'lam. On se contente de cette quantité-là. Et Inch'Allah Ta'ala, à 11h30, on reprend le cours. Donc le livre choisi, c'est Minhaj Salikin. Qu'Allah Ta'ala nous permette de recevoir les livres commandés rapidement. Mes frères, aujourd'hui, l'étudiant, il n'a aucun problème, alhamdoulilah. Pourquoi? Toutes les causes sont disponibles et présentes de façon très facile. Il y a l'iPad, il y a l'iPhone, il y a le Samsung, Internet,
T'appuies sur un bouton et t'as toute chose. Tout ce que tu veux. Manj Salikin, Sharh Mumti' et tous les livres. Par Allah, toutes les causes de l'apprentissage aujourd'hui sont présentes. On a plus de causes, on a plus de moyens pour apprendre que l'imam Ahmed Rahmanallah il avait devant lui. Et pourtant, on ne trouve personne comme l'imam Ahmed Rahmanallah. Vous savez pourquoi? C'est la pureté de l'intention. Le sérieux dans le travail et l'effort. L'imam Ahmed Rahmanallah, c'est un imam. L'imam des gens de la Sunna. Donc il ne connaissait pas la fainéantise et le sommeil. L'imam Ahmed Rahmanallah, il travaillait dans une sorte de fabrique de ceinture qui permettait de tenir le panier. Pourquoi il faisait ça? Pour ramasser de l'argent et pour pouvoir étudier. Et il voyageait. Et qu'est-ce qu'il faisait pour voyager? Qu'est-ce qu'il faisait pour pouvoir voyager? Il faisait porteur. C'est-à-dire il portait les bagages ou bien les marchandises pour pouvoir voyager et pour pouvoir étudier. Il est sorti un jour de l'Irak dans le but de se rendre au Yémen. Il voulait entendre de San'ani, rahimahullah. Le San'ani se trouve au Yémen. Est-ce qu'il vient de San'a dans une ville du Yémen? Et ils sont passés en voyage à la Mecque et ils sont tombés sur As-San'ani à la Mecque, à faire At-Tawaf, le tour autour de la Kaaba. Alors un des gens qui ont accompagné l'imam Ahmed, ils ont dit: oh mashallah, As-San'ani il est à la Mecque, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Yémen. L'imam Ahmed a dit non, il a dit: moi j'ai pris la décision d'écouter de San'ani au Yémen, alors j'écouterai au Yémen. Regarde la décision ferme. Nous, aujourd'hui, les savants viennent jusqu'à chez nous et on ne se déplace même pas pour venir les voir. Écoute. L'imam Ahmed, il a appris combien de hadiths il a appris par cœur. Un jour, il a prié en tant qu'imam dans la mosquée et il s'est trompé. Comme certains élèves y font, qu'Allah nous guide ainsi que. Il y en a qui a dit: c'est ça l'imam des gens de la Sunna, ils se trompent dans la prière. Hein, c'est comme aujourd'hui dans la mosquée quand l'imam se trompe. Même dès que les gens finissent la prière, ils se trompent. T'as vu, il s'est trompé. Donc il y en a, il a vu que l'imam Ahmed s'est trompé dans la prière. Et c'est ça l'imam Ahmed, il se trompe. Et alors la personne qui a entendu cela, elle a répondu: par Allah, l'imam Ahmed, ça fait 3 jours, il n'a rien mangé. Donc si c'est trompé, c'est parce que c'était à cause de la faim. Et les savants, depuis prédécesseurs, il n'y a rien qui les a empêchés d'apprendre. La faim, la fatigue, la pauvreté, rien. Ils ont fait des efforts immenses pour atteindre ce degré-là. Et après cela, il y a quelqu'un qui vient, qui n'a aucune science, qui ne connaît rien, la science qui n'a fait aucun effort de cela, il se fait mettre par les sœurs de savants. Des gens qui ont passé leur vie dans l'apprentissage de la science. C'est pour cela que certains savants, ils ont dit que celui qui parle sur l'imam Ahmed, c'est quelqu'un qui est proche de la mécréance. Parce que l'imam Ahmed, c'est un imam de la Sunna. Et celui qui parle sur un imam, eh bien, il a parlé en mal sur la sunna. Qu'est-ce qu'on doit dire de ceux qui parlent mal des 4 imams, d'autres qui parlent mal des Ibn Taymiyyah? C'est gravissime. Donc il faut faire très attention quand on parle de ça. Aujourd'hui, à cause de Google, tu veux de l'arabe, tu trouves de l'arabe. Tu veux du français, tu trouves du français. De toutes les langues. N'importe qui, il peut trouver ce qu'il veut sur Internet. Tu trouves même des sites, dans lesquels tu as quelqu'un qui te lit le livre à ta place. Tu n'as qu'à l'écouter. Ou bien il te fait une recherche à ta place. Tu n'as plus rien à faire.
Mais malgré cela, la science, c'est comme on l'a dit, celui qui cherche la science sans savant, eh ben, il ne fait que suivre un chemin de l'égarement. Donc, revoyez ce qu'on a vu ensemble, écrivez-le, apprenez-le, et soyez prêts pour le cours prochain. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.